Aujourd'hui, célèbre et centenaire, les plaines d'Abraham appartiennent depuis 1760 à notre histoire nationale. Mais au-delà de la conquête, elles possèdent bien d'autres secrets militaires. Cette semaine, à porte ouverte au Musée de la civilisation. On est à la Citadelle de Québec, au musée du Royal 22e Régiment, et je suis face au mur qui nous présente l'ensemble des écussons des unités de combat et des régiments de l'armée canadienne à la Première Guerre mondiale. On peut penser que tous ces régiments, toutes ces unités de combat ont eu un jour ou l'autre une Ross Rifle, une arme de Ross entre les mains, et que ces militaires-là, s'ils ont gagné avec les Alliés la Première Guerre, la Ross a perdu, elle, la Première Guerre. Et c'est cette histoire-là que nous allons vous raconter en compagnie de Guy Toupin, qui est conservateur au Musée de la civilisation et responsable de la plus grosse collection autour de la Ross Rifle, et M. Réal Léveillé, qui est chef guide et responsable de la collection d'armes historiques au Musée du Royal 22e Régiment. Alors, nous allons vous raconter l'ascension et la chute d'une grande entreprise militaire. Alors, nous sommes présentement dans la Réserve nationale. Nous allons rencontrer le responsable de la collection d'armes. Alors, il va nous présenter le noyau dur de cette collection, qui est la collection de la Ross Rifle, qui représente une des pages importantes de l'histoire de Québec en 1892 et 1919. C'est la première grande industrie de fabrication d'armes militaires au Canada. Alors, ça employait plus de 1500 personnes. Alors, c'est pas peu dire comment ça a été marquant dans l'histoire de Québec. On est dans la collection d'armes avec Guy Toupin, qui est conservateur. C'est la grande collection d'armes à feu du musée. Il y a combien de pièces, puis quelle est l'importance de cette collection-là dans un musée de société comme le musée de civilisation? Il y a autour d'à peu près 950 à 1000 pièces, okay, ici à l'heure actuelle, qui couvrent le régime français à nos jours. Okay. Là-dedans, vous avez autant des épées, des armes blanches. Là, on peut voir justement, il y a des armes de chasse. Hein, des anciennes armes à feu, double canon. Ces objets-là sont associés à une histoire. Ce n'est pas l'arme pour l'arme qui nous intéresse. Non, c'est associé à des événements, à des compagnies particulières, comme effectivement le fond de la Ross Rifle. OK. Très belle panoplie de pièces, c'est ce qu'on a ici. Ça, il y a combien de pièces, le fond de la Ross? On a 384 pièces. C'est le plus gros fond connu. Hein? C'est le plus gros fond connu. Qui a été constitué par un donateur. Reynald Poulin, qui collectionnait du Militaria et qui a fait ça pendant 25 ans. OK. Avant de la remettre... Alors, il a pris 25 ans pour ramasser l'ensemble de ces objets-là, puis s'assurer pièce par pièce qu'il y avait véritablement là, tous les éléments représentatifs de la grande histoire de la Ross Rifle. Puis c'est un collectionneur de Québec. C'est un collectionneur de Québec. Il s'est mis à avoir assez de Ross pour constituer un noyau dur. Et il l'a véritablement bien orchestré parce qu'on a une copie de chacune des pièces qui a été fabriquée à la Ross. Il n'a pas juste ramassé les fusils, il a ramassé aussi les morceaux juste avant qu'on les monte. OK, ça, c'est des pièces détachées. C'est des pièces détachées avant de monter l'arme. On a le même procédé ici. Là, tu as la baïonnette
qui est en l'étape finale. Celle-ci est juste avant l'étape finale. Vous avez des pièces comme ça qui sont des prototypes qu'on essayait de faire de pistolets pour les lieutenants. Mais ça, c'est toujours la Rosse? C'est toujours la Rosse. Et on est véritablement là autour de la Première Guerre mondiale. On est en 1910-1911 quand on essaie de fabriquer des pistolets. Puis là, évidemment, comme ils ont traversé la Première Guerre, puis on sait, avec toute la mobilisation des hommes, c'est une industrie pour beaucoup qui est féminine. L'aspect féminin, c'est surtout pour faire de la couture, parce que les baïonnettes et les carabines ont des étuis en cuir. OK. Et pour les munitions. Vous avez justement ici des boîtes de munitions. De la Rosse Eiffel. Normalement, c'est pas ici, les munitions. Non, c'est... les munitions sont dans une armoire. Parce que nous, normalement, on entreposerait les munitions à part des armes. Mais là, c'est pour les besoins de la démonstration. C'est pour les besoins. Donc, un fonds qui s'inscrit dans la grande histoire sociale, économique et politique du Canada. Parce oui, que... effectivement, parce que c'est la seule compagnie à avoir fabriqué des armes à feu au Canada. Jusqu'à ce jour. C'est important, là. C'est plus qu'important, c'est majeur. C'est la grande industrie militaire canadienne qui est à Québec, là. C'est un des gros employeurs de Québec. Après le gouvernement, c'est l'employeur à Québec. Quand on a créé la Ross Rifle, d'abord, l'armée canadienne avait demandé aux Britanniques de fournir des Lee Enfield, qui est un fusil militaire à l'époque, et les Britanniques avaient refusé. Avaient refusé parce qu'ils étaient... Il n'était pas tellement enclin à partager les productions à l'époque. Et là, c'est Sir Charles Ross. Qui est vraiment un Britannique qui vient s'établir ici, qui est un financier aussi, a décidé, lui, avec des intérêts politiques qu'il avait, de construire une entreprise pour fournir l'armée canadienne. Et évidemment, la Ross Rifle, c'est une grande histoire dans l'histoire militaire canadienne, mais c'est une histoire d'échec aussi. C'est une histoire d'échec. Dès 1903, la première production des 1000 premiers carabines Ross destinées aux militaires ont été fournies à la GRC. Donc, on a fait un essai avec la GRC d'abord. Oui, et ils ont fait l'essai. Ils sont revenus en 1904-1905 avec des pièces en disant « Vous avez un problème de chargement, parce que la carabine s'enraye souvent, et vous avez un problème de retour de gaz, et c'est très désagréable, etc. » En 1906, on va ramener ces fusils-là à l'entreprise pour supposément les arranger. On va sortir à ce moment-là la marque 2, la carabine militaire marque 2, et la marque 3 un petit peu plus tard, en 1914. Et on a toujours les mêmes problèmes avec la Ross. En 1916, sur le champ de bataille, on va même demander aux soldats de déposer ces armes-là et on va les rééquiper cette fois-ci avec des Lee Enfield anglais. Mais les armes de chasse sont demeurées parce qu'eux étaient beaucoup plus sécuritaires et c'était des armes de précision qui s'adressaient vraiment à une classe sociale très particulière parce qu'au prix où ils les faisaient, là, c'était... Parce qu'on disait, je pense, que les tireurs d'élite dans l'armée préféraient toujours, malgré les problèmes, la Ross parce qu'elle était... Les canons étaient plus longs. Donc, c'est une meilleure précision. Beaucoup plus précise. Oui. Là. Mais dans les tranchées? Dans les tranchées, elle était un petit peu plus longue que la Lee Enfield. Et avec la baïonnette, c'est encore pire. Mais là, ce qu'on voit ici, nous, ce qu'on a dans notre collection, c'est l'ensemble de la production, parce que Renald Poulain Toutes les pièces qui ont été produites par la Ross sont représentées ici. Alors, c'est assez exceptionnel. On peut dire qu'on a la plus grosse collection de la première industrie militaire canadienne. Et la seule. Et la seule, là. Oui. Qui existe jusqu'à ce jour. Et cette histoire-là, bon, on parle de 1917, là, ça a été la fin. En 1917, on va faire fermer la compagnie Ross avec une compensation à l'époque de 2 millions de dollars. Wow, c'est de l'argent. Pour régler le problème. 1919, c'est vraiment toute l'entreprise est fermée, tout est réglé. Tout est fermé en 1919, on parle, là, c'est la fin de la Ross. C'est la fin de la Ross au complet. C'est la fin de la Première Guerre aussi, donc... Et de la seule entreprise à avoir fabriqué des armes au Canada. Alors, on va aller voir des armes de façon plus spécifique. Certainement. On vient de parcourir la collection dans la réserve, mais il y a des pièces qu'on a vues, on effleurait tout le moins, et là, on aimerait ça, les regarder plus attentivement, parce que pour en raconter, là, certains éléments d'histoire qui vont éclairer davantage l'histoire de la Ross. Bon, en tout premier lieu, il faut dire que la Ross était surtout populaire par sa carabine de chasse. OK. En voici un exemplaire.
voyez la qualité d'exécution de la pièce. Ça, c'est du noyer cendré, le bois. Noyer cendré, tous les motifs sont faits à la main. Autant pour la crosse de sport, c'est fait pour être pris comme ça. Et c'est un modèle en 2,80. Calibre 2,80. Le calibre 2,80. Oui. Et c'est une pièce qui avait d'une précision extrême et on n'avait pas les problèmes qu'on a avec les autres. OK. Vous voyez, un type de pièce de même en 1900, là, 1905, c'est 70 $. Wow. Ça, c'est pratiquement, quand on pense, les gens... ouvriers, c'était 10 sous de l'heure. 10 sous de l'heure, alors ça donne une bonne idée de la valeur d'une pièce comme ça. Et ça, étant donné qu'elle a déjà sa mire au bout ici, ça, on ajoute 20 $ à la pièce. Ah, OK. Et vous voyez la qualité? Alors, c'est pas... La rosse dans l'arme sportive, c'est pas accessible à monsieur tout le monde. Là. C'est une arme qui est réservée à l'élite. À l'élite puis à la bourgeoisie. Hein. OK. Vous voyez la crosse... Le cross-sport, qu'on appelle. C'est une très grande différence avec ça. Bien oui, c'est ça. On voit et du tout que c'est qu'est-ce pas qui allait normalement avec ce type d'arme-là? C'est un étui comme ça. Et ça, c'est fabriqué à la rosse aussi, si c'est fabriqué à la rosse. On voit l'inscription Québec dessus. Vous voyez l'épaisseur des cuirs. C'est vraiment des pièces exceptionnelles. Ils sont très, très rares. OK. Donc, les étuis maintenant, là, on peut trouver des armes à l'occasion. Mais à l'occasion. Étuis, accessoires, c'est difficile à moi, trouver. Moi, c'est la seule que je connaisse, puis elle est ici. Celle-ci est assez particulière aussi. Bon, ça, c'est le modèle 1910. Ça, c'est le modèle militaire que l'armée canadienne a eu jusqu'en 1916. Donc, ça, c'est l'arme la plus représentative de la Ross Rifle, de la production de la Ross Rifle. Militaire. Oui, militaire. Oui. Mais on s'entend que ça a été la plus grosse production. C'est la plus grosse, c'est 300 000 armes. De ce type-là. Non? Fait que vous voyez la différence entre une arme... Une arme de chasse. Une arme de chasse où la qualité des bois, des vernis est faite et l'arme militaire. Vernis très foncé. Beaucoup plus robuste. Oui, oui, puis les bois ont des nœuds, okay. Ce qu'on ne retrouvera jamais là-dedans. Beaucoup plus lourde. Beaucoup plus lourde. C'était un des problèmes, d'ailleurs. C'est l'arme la plus lourde de la Première Guerre mondiale. OK, parce qu'on s'imagine, puis la Première Guerre, mais là, c'est beaucoup une guerre de tranchées. Oui. Alors, il y avait beaucoup à manœuvrer avec ce type. Vous voyez la longueur de l'arme? Ajoutez-y en même temps la baïonnette au bout. Et si vous mettez juste la longueur des pièces, là, ça fait une pièce extrêmement longue. C'est assez long, effectivement. Et c'est ce modèle-là qui posait aussi des problèmes. OK. Comme il y avait des problèmes avec la rosse et qu'on voulait souvent tenir en respect ceux qui étaient contre, il y a eu certains cadeaux qui ont été faits par la rosse à des généraux. Les pots de vin. Disons que ça ressemblait à... C'est un cadeau, mais... C'est un cadeau. Ce type de pièce-là. OK. Complètement exceptionnel. Canon en stainless, on peut voir. Deux pièces répertoriées seulement. Ah oui, deux pièces? Deux pièces. Uniquement, ouais. Là, de... Et on est chanceux parce qu'on a mis la main sur une. Avec le télescope, et c'est une arme qui est tirée couchée. OK. Et ça n'a rien à voir avec les autres. Ça, c'est pour les tireurs d'élite, là, c'est pour les tireurs à longue distance. À longue distance, jusqu'à 3 kilomètres. Jusqu'à 3 km. Oui. C'est le même calibre que le fusil de chasse, un 2,80. OK. Et vous avez les mires complètement au bout, fait qu'il faut que la personne soit couchée et place le canon entre ses deux pieds croisés. Puis si je comprends bien, ça se calcule en nombre de pieds secondes. Oui. Cette arme-là, c'est 3100 pieds secondes. 3100 pieds secondes que oui. le projectile le circule. Le projectile. Okay. L'arme militaire, 2000 pieds secondes. Beaucoup plus, là. Il y a 1100 pieds secondes de différence. C'est toute la différence de la précision du tir. OK. Vous voyez, les canons sont longs, bien affûtés, la qualité des bois encore. Mais là, on est vraiment dans l'arme sportive. Ah, c'est encore une arme encore plus sportive que l'autre. OK. Ça, c'est vraiment là, des tirs de précision. Les pièces-là ont été montées. À notre connaissance, il n'y en a seulement qu'une avec la mire officielle. Aussi complète comme celle-ci, là. Et ça ici, c'est un peu la cerise sur le sundae quand on regarde. Là, ça, c'est la pièce qui servait pour la vente. OK. Quand Ross allait quelque part, emmenait ce type de carabine-là qui avait été fabriquée à l'usine et coupée à l'usine. C'est comme une coupe transversale oui, où on voit tout le mécanisme. Pour montrer tout le mécanisme. Et c'est ce mécanisme-là qui s'enrayait. Oui. Qui était problématique. Quand on parle du mécanisme comme tel, c'est la bolt action ici. OK. Et les vis qui sont là, c'est ce qui cédait souvent puis que... Le reculon faisait que la personne était blessée. Ah. Et le chargeur, la capacité du chargeur d'éjection, on avait toujours un petit problème. Justement, on donne un petit coup, là, ça paraît.
Et l'exécution était très belle, par exemple, parce que c'était mieux que les 8 mm allemandes, qui, elles, faut les replier, tandis qu'elles, mais c'est justement là son problème, c'est qu'elles ne se repliaient pas pour se barrer. C'est quand même assez particulier. Hein. Et, c'est un très beau mécanisme, c'était bien pensé, sauf que... C'est ça, ça n'a pas été concluant sur le champ. Non, sur le champ de bataille, effectivement. Et on va aller voir justement M. Réal Léveillé du Musée du Royal 22e Régiment, qui, lui, va nous parler un petit peu du point de vue militaire, comment dans l'armée cette arme-là a été perçue, quel a été son temps d'utilisation. Alors, je pense que ça va bien compléter, ça va compléter la présentation que tu nous as faite, Guy, de cette collection-là. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on est ici avec M. Réal Léveillé, qui est chef guide au Musée du Royal 22e Régiment de la Citadelle, mais également responsable de la collection des armes historiques. Et ce lieu-ci, qui date de 1842, qui est un lieu hautement sécurisé, c'est beaucoup plus que le Musée du Royal à l'époque. Bien oui, à l'époque, ce bâtiment-là, en 1942, c'était une tenaille. Une tenaille qui était un fort à l'intérieur d'un fort. C'est construit suite à la rébellion de 1837-1838. OK. Et le musée a commencé en 1976, je pense. Hein? Effectivement, mais en 1976, mais avant que ce soit un musée, c'était une prison militaire aussi, okay. Avant de devenir un musée. Bon. Et évidemment, nous, dans le cadre de cette émission-là, on a eu l'occasion de voir avec Guy Toupin, qui est le conservateur responsable de la collection d'armes au Musée de la civilisation, un peu toute l'histoire de la Ross Rifle, qui est l'objet de notre propos. Évidemment, on l'a regardé du point de vue du musée, du point de vue du conservateur, tu sais, et de l'historicité de la chose. Mais là, notre intérêt de venir au Musée du Royal, c'est de voir comment ça s'est vécu de l'intérieur, comment vous le percevez, parce qu'on sait le Royal 22e Régiment, vous avez des armes de la Ross Rifle, donc c'est une histoire importante de votre régiment. Absolument. Le 22e bataillon, quand il a été créé en 1914, le premier fusil qu'ils ont reçu, c'était un M10 de Ross Rifle. Ah, ils sont partis à la guerre avec. Comment, justement, l'arme de la Ross Rifle s'est inscrite dans l'histoire du Royal 22e Régiment? Bien, en fait, il faut comprendre avant que le 22e bataillon parte à la guerre, il y a eu une division de 33 000 hommes canadiens qui sont partis avec le Ross Rifle déjà. Là. 33 000 hommes? 33 000 hommes. Le 22e bataillon faisait partie de la 2e division. Déjà, là, il y avait des problèmes d'enrayage au niveau du mécanisme. On les avait détectés. L'entraînement se faisait à Valcartier, puis il y avait beaucoup de blessés. Là. Il y avait des enrayages, des blessures. Et c'était pas rapporté, c'était gardé à Valcartier. C'est pour ça que le fusil n'a pas été enlevé immédiatement. Là. Mais il fallait véritablement que Charles Ross soit très bien couvert politiquement pour que, malgré les problèmes qui étaient déjà décelés, qu'on ait laissé partir autant d'hommes avec une arme qui pouvait avoir des problèmes d'enrayage là, sur le champ de bataille. Il ne faut pas oublier qu'un de ses grands amis, c'était le ministre de la milice canadienne, Sam Hughes, qui le protégeait au Parlement. Il faut vraiment se poser la question, quelle était la relation entre Charles Ross et Sam Hughes, qui devaient être quand même des amis, parce qu'ils se protégeaient un et l'autre. En Angleterre, on dit que M. Ross, Charles Ross et Hughes sont allés rencontrer les militaires sur place, le régiment, pour aller voir exactement de quoi retournait ce problème d'enrayage. Ah, c'est incroyable. Il est allé voir les soldats, puis il a demandé comment ça allait. Les soldats lui ont carrément dit que son arme, c'était rien, c'était dangereux, qu'il devait, pour l'armée, puis utiliser leurs pieds, prendre même leur pelle de tranchée pour ouvrir l'armée. Là. Le système bloquait complètement, quand il n'explosait pas dans le visage des soldats. Puis ils l'ont dit à M. Ross, puis M. Hughes, Sam Hughes. Mais eux, quand ils sont revenus ici au Canada, est-ce qu'ils ont rapporté le problème en disant, bien, effectivement, on a un problème? Ou... Ah, mais c'est ça. Le Sam Hughes est allé dire au Parlement, après qu'il... De ses paroles à lui, en allait, il avait dit, je vais avaler n'importe quel Lee Enfield qui n'a pas de raté de tir. Puis après ça, il a dit, les soldats canadiens, le 22e bataillon, couchent avec leur Ross Rifle parce qu'ils ont peur de se faire voler par les Britanniques qui utilisent le Lee Enfield, qui était complètement faux. Je pense que c'est ce qui a entraîné la chute à la fois de ce politicien-là, Hughes. Il avait vraiment mis sa carrière en jeu avec M. Ross. Justement, on a très peu parlé de Charles Ross, mais c'était un excentrique. Ah, c'était un homme incroyable, c'était vraiment un excentrique. Je vais vous donner un exemple de son...
de son caractère, il avait pris des objets appartenant à un clergé d'une cathédrale en Écosse, et ils les avaient amenés à la maison, puis ses voisins n'étaient pas contents. Ce qu'il a fait, il est allé acheter un canon, puis il a détruit la maison du voisin. Vous imaginez? Alors, ça montre le caractère bouillant de cet aristocrate qui est à la fois un homme d'affaires, un inventeur... Un ingénieur. Et on dit qu'il n'a jamais admis ses torts, finalement. Jamais il a avoué que son arme ou que ses armes avaient des problèmes. Non, même pas. Après, il y a plusieurs personnes un peu à travers le monde qui l'ont emmené en cours, en fait, qui ont été blessés, puis ils ont gagné. Ils ont gagné. Toutes les causes ont été... M. Ross, ils ont tous perdu. Mais il n'a jamais voulu admettre que son âme ne fonctionnait pas bien. Ah oui? Il est mort avec cette idée-là, je crois. Avec cette idée-là qu'il avait raison. Mais somme toute, qu'à la fin, son âme, il a réglé le problème du mécanisme quand même, mais il était trop tard. Oui, exactement. Il avait trouvé le problème. Ils ont trouvé le problème, mais il était vraiment trop tard. Et puis le gouvernement en avait assez. Puis on a dit, ça suffit. Puis le Royal 22e Régiment, bon, on parlait tout à l'heure là, de 1914, mais en 1916, ils ont été réarmés, rééquipés. En août 1916, ils étaient à l'arrière à ce moment-là pour un repos après les batailles de Ypres, etc. Donc, ils ont reçu le Lee Enfield, se sont entraînés avec, puis ils ont apprécié beaucoup ce fusil-là. Alors ça, c'est une Lee Enfield? Oui, c'est un Lee Enfield, mais ce n'est pas lequel Lee Enfield, par exemple. Ah oui? Regardez ça, ma chère. Wow, ça, c'est impressionnant. C'est une arme absolument extraordinaire. Une arme récit. Absolument. Une arme qui a été donnée en août 1916 au soldat Le Corps. Quand il a reçu son fusil, il était vraiment content. Il a gravé sur la crosse de son fusil une étoile pour que sa marraine de guerre. Il a le nom Rosalie. Chanson populaire en 1914, okay. Chantée par les soldats. Alors, son arme, il l'appelait la Rosalie. Il s'appelait la Rosalie. Ce qui est vraiment impressionnant de cette arme-là, c'est que le 22e bataillon a eu 18 honneurs de bataille durant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment un chiffre effarant. Mais quand vous regardez là, l'arme ici, cet homme-là a survécu 15 des 18 honneurs de bataille du 22e bataillon. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Un fait d'arme. C'est un fait d'arme, justement, juste de résister à ces batailles. Donc, toutes les grandes batailles auxquelles les Canadiens français ont participé à la Première Guerre sont inscrites sur cette arme-là. Oui, 15 des 18. Je vous remercie infiniment, M. Léveillé, pour cette entrevue. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. On est dans l'exposition Territoire, une des expositions permanentes du Musée de la civilisation, et on est dans la zone consacrée au tourisme et à la villégiature. Et principalement dans la vitrine, ici, évidemment, c'est consacré à la pêche et à la chasse. Et comme on a vu la collection de la Ross Rifle consacrée aux armes, on sait que la Ross Rifle a été principalement une entreprise qui a fabriqué des armes militaires, mais elle s'est démarquée aussi dans la fabrication d'armes sportives et d'armes sportives destinées à l'élite sportive. Parce que c'est pas le type de carabine, et on voit un excellent exemple ici, c'était pas destiné aux chasseurs quotidiens, là. C'est plutôt ceux qui s'adonnaient à la grande chasse. Au-delà du geste de survie de chasser, la chasse, c'était destiné à ceux qui en avaient d'abord le moyen. Et une arme comme ça, à l'époque, c'était très dispendieux. Ça pouvait se vendre plus de 70 $ une arme comme celle-là. Et là, on est en 1910. Et si on met ça en perspective, ça peut représenter plus d'un mois de salaire là, pour acquérir une arme comme ça. Alors, celle-ci, elle est très belle, est en noyer cendré. On voit les grippes, c'est très ornementé. Et il y a une lunette télescopique. Alors, c'est une arme destinée à la chasse au gros gibier. C'est pas la petite chasse, c'est le gros gibier. D'ailleurs, la tête d'orignal qu'on voit au-dessus de cette zone-là et s'associe bien parce que c'est un calibre 2,80. C'est un gros calibre fait pour atteindre des cibles importantes telles que des orignaux ou des ours. Alors, c'est une belle pièce. C'est des pièces qui sont pas accessibles à tout le monde. C'est pour l'élite sportive. Et ça, c'est la Ross Rifle. Et c'est un des beaux héritages de la Ross Rifle. Si les armes militaires ont été un échec en termes de fabrication, l'arme sportive est restée véritablement comme une marque de commerce de qualité de la Ross Rifle.
Alors, j'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir avec nous cette longue saga de la Ross Rifle Company, qui était située sur les plaines d'Abraham à Québec. Cette grande entreprise qui a embauché plus de 1200 à 1500 personnes et qui, derrière la fabrication de ces armes-là, nous présente aussi un portrait de société, une histoire politique importante, une histoire économique, une histoire de société. Alors, celle de la Ross Rifle Company qui a connu une ascension fulgurante, mais aussi une chute impressionnante en 1917 avec la fin de cette entreprise-là. Alors, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.